Qui es-tu? Que fais-tu? Je m'appelle Philippe, je suis un gentil garçon. Mis à part le fait que ce soit un gentil garçon. Je fais de la musique, je suis le nom de Cassius avec un méchant garçon qui s'appelle Hubert, qui est toi d'ailleurs. Présentement, moi. Quelles sont vos influences et pourquoi? Moi, je sais pas lire. Êtes-vous inspiré? Par quoi êtes-vous inspiré? Quelles sont vos influences et par quoi êtes-vous inspiré dans la musique? Dans la musique, les influences musicales ou les influences de tous les genres? Les influencés par tous les gens qui vont de l'avant, qui recherchent la recherche. Oui, je partage aussi ça avec mon ami Philippe, c'est qu'on est très. On aime bien quand il y a un petit effort de quand les gens se laissent pas aller plus loin, là, de vouloir aller plus loin que ce qu'ils savent faire, au moins la démarche. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois qu'on fait de la musique. On se dit, il y a toujours un ou l'autre pour pousser l'autre à essayer de faire un truc qu'il pense ne pas pouvoir faire ou c'est de se dépasser. Je pense que c'est vraiment tout à important. Fait. Et aussi, on est aussi très influencé par le moment de notre vie dans l'adolescence, je crois, où il y a des petits moments de liberté. Le moment, par exemple, moi je suis obsédé par le jour où on m'a donné mon ciao quand j'avais 13 ou 14 ans, c'est quand même 13 ou 13. Et que j'ai pu aller d'un point A à un point B seul, sans les parents. Enfin, tous ces moments, les moments où il fait beau, où le printemps arrive, où les moments où on tombe amoureux, les moments où tous ces moments de la vie, on essaie de les recréer, toujours les retrouver, de les sublimer, de jamais oublier ça, de pas vieillir comme une sorte d'abandon et d'abandon de ça en fait. Je pense j'adore, des fois on voit des vieux dans un avion, est-ce qu'on n'a pas de prendre l'avion, on voit des vieux qui se tiennent la main qui ont 85 ans et on a l'impression qu'ils viennent de se rencontrer et tout. Moi c'est des trucs complètement débiles ce que je raconte, mais on est tout le temps à la recherche de ça. Le laisser aller en fait, on est contre le laisser aller. Moi je trouve qu'il y a des gens qui se laissent aller, ils ont 30 ans, on dirait des vieux cons. Ouais, parce que c'est très facile en plus de se laisser aller. Bah, c'est plus simple. C'est très très simple. Dans la vie, c'est plus simple. Tu vas à l'armée par exemple. Tu te laisses aller. C'est-à-dire, plus jamais tu dessines un truc où tout le temps quelqu'un va te dire toi, t'as droite, à gauche, mets ton pantalon, enlève ton pantalon, baisse-toi. Fais le cochon, tout ça, c'est l'enfer. Bon, ça, c'était quand on était à l'armée. Heureusement, c'est fini. Maintenant, on se prend la main dans l'avion. Donc, alors, attends. Une personnalité avec qui vous aimeriez collaborer? Alors. Moderne. Une personnalité avec qui on aimerait. Beyoncé, on aimerait. Avec beaucoup. Son mari, Jay-Z, des deux en même temps. Avec ses copains, même toute la famille, on peut. Kanye West. Il y a aussi Prince, ce serait vraiment génial, Prince, si tu nous entends, vu qu'on sait que tu connais Internet. Pharoah Sanders, parce qu'il n'est pas encore mort. Alice Coltrane, mais elle est décédée. Miles Davis, mais il est mort. Mais non, justement, il faut pas en dire. Maria Callas, il est mort. Dans les gens modernes, moi j'adorerais travailler aussi avec Metronomy par exemple. Ouais, moi aussi. Ou James Murphy, ce serait génial qu'un jour on arrive à se retrouver, le système. Et faire un espèce de. Je trouve que ça arrivera parce qu'il est très très cool. Ah, on pourrait pas trouver un français, ce serait génial. Un français, oui, il y en a quand même des gros français, j'aurais adoré. Ça me fait pas tout d'un coup là comme ça. Charlotte Gainsbourg? Non. Ce serait marrant de faire un morceau avec nos potes de Justice un jour, quand ils seront plus vieux et qu'ils auront de la bouteille, parce que là, ils sont encore un peu débutants, quand même, donc il faut les laisser faire, mais une fois qu'ils auront un peu de bouteille... C'est encore des enfants. On pourra peut-être se permettre un mélange. Non, mais il y a plein, j'en sais rien, il y a plein de gens avec qui on aimerait collaborer. Attends, un truc un peu plus exceptionnel que tout ça, genre Vladimir Poutine... Ah ouais, voilà. Medvedev. Alors, on a répondu... Quelques mots sur Paris, ça va pas être facile. C'est là où j'ai toujours rêvé d'être. Paris, ouais. Paris. Paris libéré. Paris trahi. Paris bafoué. Paris libéré. C'est aussi ça. Paris. Non, Paris, la ville. Voilà. Pour moi, c'est la ville. On a eu la chance. On a eu la chance de quand même pas mal voyager. À chaque ville où on arrive, je me dis, ah, je prendrai trop la partie ici, puis je suis trop content de rentrer. Et en même temps, à chaque fois, je suis là. Heureusement que je suis pas très riche, sinon j'aurais au moins une centaine d'appart. Là, maintenant, tu t'es calmé, là, maintenant, c'est devenu une blague, mais je sais pas si tu te souviens, au début, à l'époque, j'étais sincère. Je voulais absolument habiter à Londres. Je vais acheter un appartement là. Ah, je vais acheter un appartement. Mais j'avais pas de blé, donc de toute façon, c'était sûr que ça se ferait pas.
Et non, mais par contre, voilà, Paris reste la ville. Pour moi, la ville. Il faut sortir d'une boîte à 5h ou 6h du matin, et si possible, si cette boîte, elle est vers les quais, et là, tu marches sur les quais, il n'y a personne, ah, c'est carrément la fin du monde. Il faut aller au restaurant, il faut aller. Non, c'est le meilleur. Mais encore, lui, Hubert, il est de Paris. Moi, je viens de province, dans le fin fond de la province, et je peux te dire que. Je ne sais pas si je le vis plus que toi, non, je pense qu'on le vit de la même façon. Mais moi, c'était mon rêve là-bas, quand j'étais à Paris, je rêvais d'être Hubert. Quand j'étais à Paris. Qui rêvait d'être moi déjà, c'est trop beau. Maintenant, tu rêves d'être. Et après, vous faites quoi? Après, qu'est-ce qu'on fait? On va baiser, toi et moi. Comme d'hab, hein? Non, non, quoi? Après, on fait quoi? Après l'album ou après l'interview? Ah, tu parles jamais? Après l'interview? Moi, je vais faire des pâtes aux truffes blanches. Je le sais, parce que ma meuf, elle m'a ramené une truffe blanche hier soir. Et je vais faire des pâtes aux truffes, j'en rêve, parce qu'en plus, on n'a pas de moi aussi, je vais foncer au marché, je vais acheter à manger quelque chose. Il habite sur la rive gauche, lui, c'est un bourgeois. Donc, je vais acheter de la bouffe de Bourges. Un truc bien gras, avec des vins rouges, là. Tandis que moi, pas de truffes blanches. Et en plus, je suis servi par un serviteur sans culotte qui marche comme ça avec un petit. Mais arrête, qu'est-ce que tu racontes comme histoire? C'est quand même un site web. Et donc, j'ai très hâte de le retrouver, et donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merci. Moi, je vais boire du champagne et faire du vin. Et je vais me faire un Pim's champagne, c'est un cocktail que je vous conseille parce que ça monte à la tête à la vitesse incroyable. Et en deux secondes, on est complètement bourré, c'est génial. Pas complètement bourré, non, c'est pas ça que je veux dire. On est totalement tipsy, comme disent les Anglais, c'est-à-dire gay, on est gay. On est très gay. Pim's, une mesure de Pim's, deux mesures de champagne, une tranche d'orange, une tranche de citron, des griottes au kirsch, une feuille de menthe et énormément de glaçons. Par contre, il faut manger avant. Sinon, non, parce que si tu manges pas avant, c'est genre. Ah non, mais c'est incroyable. Et deux heures après, t'es malade rouge. Comme une bête le lendemain, donc je pourrais. C'était vraiment incroyable. Gueule une fois, parce que j'ai bu ce truc-là et ma copine m'a dit: mais pourquoi tu es tout rouge? Et tout le monde s'est retourné vers moi en me regardant en me disant: mais c'est quoi, il est tout rouge, c'est bizarre. C'est vraiment un cocktail dément, t'es bon sur les tables, tu chantes et tout, c'est trop bien. Par contre, le lendemain, c'est l'enfer. Pim, c'est un truc d'anglais, une invention d'anglais, c'est des herbes avec du gin. Je vous le dis tout de suite, ok. Bah merci From Paris, merci à ce collectif d'artistes, attends, de cuisiniers. Alors voilà, nous on est les Cassius, enfin les faux Cassius, nous sommes ceux qui faisons la promo. Les vrais Cassius qui font la musique sont au studio là. Ils sont au studio en train de bosser. Et ils sont avec les Daft. Paris, ouais. Il y a les robots qui arrivent là, et les Daft sont en train de faire de la zik. Comme d'hab. Voilà, vive l'armée. Non, vive les ordres, vive la mort. Vive les moutons de Panurge, vive la mort. Votons pour le retour de Pim's. Là, je suis sur ton agenda, donc... Merde, c'est quoi les autres questions? Sur cette histoire, c'est mail. Ah, il y a un mail sur... Ah oui, j'ai un connard de Cassius dans un quart d'heure. Méfie-toi, Cassius, c'est des relous. Je crois qu'on a tout fait. Merci, From Paris. Après, ouais. Vous faites quoi? Bah, ça y est, après... Ah, mais ça ne fait pas être moi qui t'ai posé les questions? Bah, j'ai gardé l'appareil. Bah, on peut les refaire, sinon. Non, c'est bon.